là c'est... Là-bas, on va aux endroits. Tu le vois, là. Excellent. Donc, crêperie, tu sais quoi? On a tourné plusieurs aberges. J'ai jamais mangé de crêpes encore. Mais non. Donc, je te jure que c'est vrai. Et donc, toi, tu sais faire les crêpes? À peu 4 près, millions de personnes. Les galettes, les crêpes et tout. Ouais. Dans ton clip. 6 heures en tant que mineur sur mes ennuis. 5 heures par quel mystère, je crois qu'elle m'aime. Je me dis, bon, il va m'apprendre à faire des crêpes, c'est pas possible. Bon, je vais mettre là un frein. Ouais. Voilà. Je suis curieux de voir ton... Mon coup de main. Ah ouais, exactement. Ça sent le beurre déjà un peu, non? Hey, ça va? Oui. Oui, ça va. Allez, quand même. Bah ouais. Bonjour, enchanté, Gaëtan. Bonjour. Enchanté. Enchanté, bienvenue. Ben, merci, c'est adorable. Merci. Regarde le chef là. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Tiens, regarde ça. Enchanté. Eric. Moi aussi. Ça va ou quoi? Ouais, on sait plus. Hein. Gaëtan, enchanté. Enchanté, Eric. Comment ça se passe? Alors, moi, je suis volontaire pour apprendre. Allez. Ouais. Alors, on passe derrière ou quoi? Allez, venez avec moi. Vous voulez bien de nous derrière? Alors on arrive. Mettez un tablier comme avec ça. Plaisir. Hop. On va pas se tâcher, hein. On passe par là, chef. Ouais. Alors, hey. Donc, on a deux sortes de pâtes, du blé noir et du froment. Okay. Donc ça, en gros, c'est pour les salés et ça, c'est pour les sucrés. D'accord. Voilà. Là, c'est que de l'eau et de la farine de blé noir. Tu vois, quand on les prépare quelques jours à l'avance, surtout le blé noir, parce que c'est comme le pain. Plus ça repose, plus ça dégage de saveur. C'est vrai? Ouais. On les fait reposer comme ça. Tu vois, elle est comme ça. Ah, ouais. La froment un peu moins. Un peu moins. Ouais. Alors je vais vous montrer, puis après, vous allez faire, vous allez voir. Hop. Donc, ça c'est le blé noir, c'est ce qu'il y a de plus dur à tourner, ça. Parce que dedans, on n'a qu'un œuf par kilo. Donc tu vois, le lion, il est beaucoup moins important que dans le froment où tu mets 6 œufs par kilo.